Ici, on se balade. Ici, nous sommes à Lausanne. Bienvenue à Lausanne. Bonjour. Bonjour. Vous habitez à Lausanne? Oui. C'est la première fois pour nous qu'on va à Lausanne aujourd'hui et on aimerait savoir un peu plus de choses sur cette ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est d'abord la capitale olympique, hein, avec un superbe musée qui est sur les quais d'Ouchy, à côté du Borivage Palace. Ensuite, vous avez d'autres établissements olympiques qui sont dispersés en ville. Hein, mais il y a plein de petites animations qui se font au bord du lac tout l'été, plein de festivals qui sont dans la région de Lausanne, mais pas forcément à Lausanne. Alors, la ville de Lausanne, qu'est-ce que je peux en dire? C'est une belle ville historique, déjà. Je pense qu'il y a toute une partie historique qui est intéressante dans cette ville. Il y a aussi beaucoup d'activités avec la jeunesse. Évidemment, c'est une ville estudiantine, d'autant plus avec l'hôpital aussi, qui est aussi un hôpital estudiantin. Donc, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de vie nocturne. C'est une belle ville, on s'éclate. C'est multiculturel. Ouais, il y a plein de parcs intéressants. Lausanne de nuit est magnifique. Il y a plein de discothèques, il y a plein de bars, de... Ouais, ça bouge bien. Qu'est-ce que tu penses de Lausanne? Est-ce que c'est une ville bien pour y vivre? Oui, c'est bien, ouais. Parce que moi, j'aime bien les villes qui sont un peu petites, où on a tous les endroits divers proches de chez nous. Pourquoi Lausanne? Parce que j'ai trouvé un appartement à Lausanne. Ma copine était de Lausanne. Lausanne, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette ville, car c'est la première fois qu'on y est, nous, aujourd'hui. Alors, la grande particularité de cette ville, c'est qu'elle monte, elle descend, elle n'est jamais à plat. C'est très rare de voir des parcs comme ici, là, il y a un parc qui est plus ou moins plat, mais sinon ça monte et ça descend et c'est physique. Les gens qui roulent à vélo, c'est des champions de la montagne. Aujourd'hui, nous, c'est la première fois qu'on arrive, qu'on est à Lausanne et on voulait avoir des petites informations sur cette ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors moi, j'étais très agréablement surpris parce que bon, on a un peu l'image de la Suisse, c'est très calme et tout ça. Mais Lausanne, ça bouge énormément, il y a plein de bars super sympas, c'est super super jeune. Et en plus, il y a le lac, bah, j'y reviens là avec mon canard. Donc là, c'est l'été, il fait beau, enfin, c'est vraiment une ville super super sympa. Bah, le lac, c'est cool. Il y a pas mal d'endroits où les gens font la fête en été. Et on peut rencontrer du monde, c'est sympa. Par contre, après, les bars, c'est cher. Pour sortir, si on n'aime pas beaucoup l'électro, comme ça, c'est un peu moyen. Mais l'été, c'est cool, parce qu'on justement, on peut se poser dans les parcs et puis au bord du lac. Bah, moi, j'aime bien les endroits, enfin ouais, justement, qu'on peut voir. Et puis, c'est sympa le soir aussi, des fois, pour sortir. Il y a pas mal d'endroits où on peut faire la fête, donc ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Lausanne? Le lac. Ouais. Tu penses que c'est joli, le lac? Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu fais au bord du lac en général? Je joue et puis je vais me baigner. Ah, super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est content d'avoir pu se déplacer jusqu'à Lausanne et de vous avoir fait découvrir cette ville avec des paysages un peu différents. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Et ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que vous nous posiez des questions et que vous nous répondiez à des questions. Par exemple, êtes-vous déjà allé dans un endroit, dans une ville francophone? Si oui, où? Sinon, où voudriez-vous aller? Merci, à la prochaine!